Ah! Le retour du golem à portail à la con d'énergie de merde. Il m'attaque pas? Ah! Attends, pousse, pourquoi est-ce que je peux pas faire des portails au sol? Comment je suis censé faire dans ce cas? Faut que je fasse casser les trucs? C'est ça. Merde, j'étais presque. Allez, trois petits tours et puis s'en vont. Et la petite sœur. Plume. Voilà. Ça c'est fait. Je sais pas vous, mais je trouve que ça s'est quand même vachement mieux passé que la dernière fois. Et paf, ça fait des chocs à pic. D'accord, ça fait de la lumière dans tous les sens, c'est rigolo. Alors, pourquoi là ça ne marche pas? Tant que la bouboule magique elle est chargée. Ok. Ah d'accord, je suis à ce niveau-là. Que en un premier temps, ça j'ai pas le choix. Alors là, du coup, il est censé avoir un portail caché, enfin un portail, un. Un coffre. Si quand on bourrine ça marche pas, c'est que ça vaut pas le coup d'insister. Alors, le rayon magique il arrive là, ok c'est cool. Je peux pas aller voir ce qui se passe.
Non. Il s'était pas accroché, ce con. Ah oui, mais une arnaque. Il y a une grosse arnaque. Est-ce que... Ah si, je peux... Ben, je fais pas mon portail à partir de là-bas. Ok, c'est bon. Alors, comment placer ces conneries? Bon, ça, faut que ce soit en face du bignou à la con. Donc ça, c'est bon. Attends, il faut que ce machin-là... descendre, j'imagine, forcément, du coup. Ok. Attends, wait, what? Faudrait que ça se plie de l'autre côté. Ah, il faut mal quand toi. Ah merde, je peux pas. Ah bah oui, il y a une marche. Évidemment qu'il y a une marche. Sinon, c'était pas drôle. Voilà. Tout ceci se passe bien. Oh merde. Ah, puis je peux évidemment pas déclencher depuis ici. Bah non, non. C'eût été trop simple. Voilà. Ah, par contre, je suis obligé quand même de faire mumuse à travers les portails pour pouvoir traverser. Faire apparaître un pont, c'était trop compliqué. Bah, je félicite pas l'architecte, hein. Le mec devait être bien perché. YOLO! Alors, du coup, maintenant que ceci est actif. Voilà. Déjà ça. Ensuite. Est-ce que ça marche à déclencher avec le pistolet? Malheureusement, non. Non. Ok, brûler le grappin, c'était une mauvaise idée. Mais pourquoi tu l'as pas eu? Mais c'est...
Non, mais là, c'est le jeu. Cette fois-ci, c'est le jeu. Sans les portails, on n'a pas le choix. Par contre, ça me met qu'il y a une porte quelque part. Je suis en train de voir. Avec un coffre et tout. Ah, effectivement, il y a un truc. Bon, on va aller voir ça. Le chemin aura bien voulu revenir. Ah! D'accord, c'est ça l'arnaque. Parce que ça veut pas s'ouvrir, pour une raison que j'ignore. Ok, tout ça pour ça, on a bien perdu 10 minutes. Bravo le veau. Parce qu'à mettre un autre portail un peu plus bas pour pouvoir y retourner direct, c'était trop compliqué aussi. Hein. Et quelquefois, le level design du jeu est quand même un peu au schnapps. Est-ce qu'il y a moyen de retourner directement? Nope. Ah, puis je reviens là. Oh, mais non. Mais le jeu! Le jeu, tu es bourré, rentre à la maison. Tu fais n'importe quoi. Tu me fais perdre du temps pour des queues de cerises. Là, c'est trop loin. Ah bah bravo. Bon, reprenons. De toute façon, on n'a pas le choix. Ensuite, si je me mets pas au milieu, je pourrais jamais activer tous les miroirs à la con.
Bah non. Ah, même depuis là, ça ne marche pas. Ça donne quoi le timing? Ouais, ça reste un petit moment actif, mais c'est pas fou quand même. Hein. Non, non, non! Oh. Bon. Je suis sûr que ça marchera pas, mais essayons quand même avec le pistolet. Ceci ne se déclenche pas avec le pistolet. Oh non, je crois que je viens de comprendre. On va commencer par ici. Voilà, il suffisait juste de parcourir les portails. Je me suis encore une fois pris la tête pour rien du tout. Non, ça c'était, ça a toujours été mon gros problème avec portail. Portal. C'est que je cherchais trop compliqué alors qu'en fait c'était tout con. De démoniaque à la con sont alignés.
Les rayons. Redirige les rayons. T'es censé avoir un coffre ici? Peut-être en haut sur le dernier truc. Ah non, il bouge pas. Bizarre, c'est ça. L'univers est malade, cavalier. Le Conseil Ardent refuse de l'admettre. Mais pour nous qui l'observons, nous savions qu'il fallait faire quelque chose. Une attaque contre le Royaume des Ténèbres serait une violation du traité. Tu as complètement perdu la tête. Azrael, le mal assombrit chaque recoin de la création. Et les cieux attendent. Le Conseil nous lie les mains. Douter du Conseil revient à douter du Créateur. Tu crois vraiment être mieux placé? Oui, mon ami. Je le crois. Si les sceaux sont brisés, les enfers enverront leurs élus pour déclarer la guerre. Leurs chefs sont réunis en un lieu, et là, nous trancherons la tête de la bête. Les gardiens des enfers sont prêts. Mais rompons les sceaux et déclenchez la guerre ultime. Le royaume des hommes n'est pas assez puissant. La terre sera détruite. Il n'y aura pas de guerre, Azrael. Nous éliminerons les forces des ténèbres bien avant. Le pacte est un contrat sacré. Même en cas de victoire, nous devrons faire face à la colère du Conseil. Quand ils arriveront, les sceaux seront intacts. Et ce sera notre parole, la parole des cieux, contre celle du prince du mensonge. Alors, tu saisis? Les sceaux seront reforgés. Tous croiront que les armées des enfers ont attaqué avant d'être livrées à la justice par nous-mêmes. Pour la gloire de la lumière, le feras-tu? Oh, Azrael, vieux fou. On les a tous brisés, sauf un. Abaddon a ordonné de laisser le dernier sceau intact. Il l'a lui-même protégé. En êtes-vous sûr? Tout à fait sûr. Nous ne voulions pas impliquer les cavaliers. Nous ne l'avions même pas imaginé, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pourtant, c'est moi qui paie le prix de votre trahison. Trahison! Guerre! Tu dois éliminer tous les traîtres, les faire payer, en commençant par celui-là. Non. Imbécile! Tu fais fi de la volonté du Conseil! Tu as entendu la confession de l'ange. Ma mission pour le Conseil est terminée. Nous t'avons fait. Tu es à nous. Tu dois encore trouver le destructeur et l'éliminer. L'équilibre, tu te rappelles? Lève-toi! Azrael vivra tant qu'il nous sera utile. Après, tu rempliras ta mission. Ok. Bon. Oh, il n'y a pas prévu celui-là. Le méchant serait gentil officiel. Oui et non. Le mec du début, il avait l'air d'être un gros con, hein, le général mormoineux là. De toute façon, il avait une tête de méchant. Il avait un cache-œil. Les cache-œil, ça veut dire que c'est un méchant. Et je serai libre. C'est connu. Tout le monde sait ça.
Regarde les pirates, ils ont des cache-œil, c'est les méchants. C'est QFD.